Salut Yvan. Salut les joueurs. Ouais, magnifique, magnifique. Et ce qui paraît aussi pour le Paul Ricard l'année prochaine aussi, il y a un problème. Ah ouais, il y a plus de, il y aura pas le, il y aura pas le Grand Prix. Ok. Ouais, j'ai eu le un message sur mon téléphone en me disant Grand Prix de France qu'il y aurait. Salut Aldo, salut. Salute. Notre ami Aise est en train de rouler. Par contre, j'ai pas le son de la voiture. Bah, j'ai pas le son. J'ai pas le son de la safety. Non, j'entends les bruits de quand ils passent sur les trucs. Tu vois, sur les vibreurs, je l'entends bien. Mais la voiture, je l'entends pas du tout. J'entends pas le moteur. Je vais voir Valentin pour voir. Ah, Valentin, je l'entends. Les feux, je les entends. C'est la voiture, je l'entends pas. Salut. Salut, Aise. Tu roules en voiture. En direct. Tu roules en voiture. Ah. Tu roules en voiture électrique. J'ai le son de toutes les voitures sauf la tienne. Ah ouais, tu roules plus quelque chose. Hein. J'ai l'hiver là. Il roule en électrique aujourd'hui. Alors, comment vas-tu? Eh ben, ça va. Et vous? Ah ben, moi ça va, ça va, ouais, ça va. On va dire que ça va. Ouais, voilà, ouais. Bon, ça va. Ok. Ouais, ça va. On va dire que ça va. Ok. Et toi, Jean, comment tu vas? Ouais, RNT. Ouais. RNT à la piscine. Ah, RNT à la piscine. C'est quand même fatigant de rien faire. Hein. Ah, t'es... Ouais. Ah bah, en tout cas, ça fait plaisir hein, de vous retrouver là. Ah bah moi aussi, hein, ça fait plaisir de retrouver tout le monde. Hein. Ah, ça m'avait manqué. Ah, moi, même plus de moi. Alors, ah ouais, c'était... Le Mans, c'était pas fin juillet. C'était fin juillet, là. Bah oui, oui. Ah oui, ah oui, t'as peut-être très haut. C'était avant la course de l'Hongrie, c'est ça? Ouais. J'ai pas la notion de... Ah oui, mon micro était coupé, merci Aldo. Bonsoir tout le monde. Salut, ah. Salut, salut Zibane, salut les joueurs. Ah, salut. Merci Aldo qui veille au grain. Je disais, bah, toi t'es à côté du circuit, donc notre ami belge vous fait une tapette ce soir. Ah. Oui, quelques kilomètres de Spa. Oh. Ouais. Bah, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a David qui est là. Je sais pas s'il n'est pas sur la route en train d'entrer. Ouais, il est allé voir les califs. Ouais. Ah, pas mal. Ouais. Ouais, sur route, il y a une course, hein, pas comme l'année dernière. Ouais, ah ouais. On va saluer Asmo aussi, notre ami belge. Ah oui, salut Asmo. Salut Asmo, si tu nous écoutes. Antonin, c'est Antonin, son neveu. Super toxique.
Ouais, super toxique. La Belgique est représentée ce soir dans les viewers. C'est beau. Ouais. Oh, mais Aldo, il est souvent là. Hein. Oui, c'est vrai. C'est... À chaque stream, il est là. Hein. Il vient nous dire un petit coucou. Hein. Ça fait plaisir. D'ailleurs, il te salue bien, les boss. Ouais, moi aussi. On va faire un coucou à Marc également. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Marc. Ouais, Marc Carlier, ouais, ça fait un moment hein, qu'on n'a pas vu. Monsieur le chauffeur de bus. Ah, il a plus bien le temps maintenant. Mais... Non, il a dit maintenant que j'ai le boulot, j'ai des choses à prouver, donc je m'accroche à ça. Ouais. C'est normal. Alors, on a une nouvelle venue ce soir, un nouveau venu. Ah. Ouais, on a pas mal de nouveaux là, je vois. Bon bah attends, DTR3R, je crois que DT3R, je sais pas qui c'est. Et Deramella. Ouais. Ils sont dans la même équipe hein, donc du coup Ah. Et ils roulent en quoi alors? Parce que là moi j'arrive alors, les mains dans les Simon, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Non. Non. Tu vois, je reviens à... On revient avec les tongs. Faut un certain temps de réadaptation, hein, c'est normal. Et puis ouais. Non mais on va bien savoir ça. Alors ben, elle est grise la voiture. Grise et bleue non? Ouais. Ouais, grise. Gris clair, gris foncé. Couleur Mercedes, je pense. Qu'il a voulu faire ou... Et DTR3, ah bah non, ils sont pas de la même équipe. Je vois, ah, ou alors j'ai un skin, j'ai pas le bon skin alors. Moi je la vois bleue et blanche. Ouais. Okay. Ah. Blanc devant, bleu derrière. Ouais. et DTR3, tu la vois quelle couleur? Pareil. Bah moi je la vois bleue et jaune. Ok. Okay. Ok, ok. Bah écoute, voilà. Bon, c'est pas... Pas grave, hein. Est-ce qu'il y a eu de nouvelles? Non, Ferry, il a toujours sa livrée. C'est Valentin qui a changé de livrée. Valentin, quelle couleur il est? En bleu? Non, il est noir et rouge. Ah, bon, bah moi, elle est bleue. Bon, j'ai pas du tout... Bon, bah j'ai pas les bonnes couleurs, moi non plus, hein. Ouais, moi non plus, ouais. Je vois Valentin pareil que... La bleue et la blanche. Bon, l'essentiel, c'est que les gens soient là. Oui. Oh. Magnifique circuit. On se disait tout à l'heure, juste avant que tu arrives, qu'il y a peut-être question que justement je prends par champ de faire plein de championnat de l'année prochaine. En F1. Non. Oui. Ouais. Bah. Ouais. C'est triste, hein, mais c'est. Il va falloir s'y faire. Hein. Ouais. Donc il faut en profiter cette année. C'est ça. Bah. Un Grand Prix de France aussi. Voilà, ouais. Sauté. Oh, bah, c'est vrai. C'est comme le Nürburgring, le Hockenheim. C'est des circuits qui ont pas envie de mettre des millions et des millions pour... Ouais. C'est... Voilà. Il y en a d'autres qui mettent plus d'argent, donc... on prend les autres. Bah, ouais, c'est ça, hein. Le pognon attire le pognon. Ah, bonsoir Clélia, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Cédric. Ah, ils sont combien au départ, Vivant? T'es au courant?
Ok. Tu l'as envoyé au bout du monde ou quoi? Non, mais ce qui s'est passé, c'est que le mondial relais à côté de chez moi, bah, ils sont en vacances. Ah merde! Et du coup, j'ai dû me rendre sur Paris. Le week-end, la fatigue dans les baskets, et j'avais pas envie d'aller vraiment sur Paris. En même temps, je lui en ai envoyé, il était en vacances, il n'aurait pas pu aller à la section, je l'aurais renvoyé. Donc. C'est pas si mal. Allez, Valentin. Oh, l'entrée sur piste, hein, Valentin. Ouh. Hein, chouchou. Hein. J'ai pas vu, mais en tout cas, il fait le premier temps, suivi de DT3R. Ouais. Donc, il y a troisième, monsieur 4. 7, Romain est là, oui, j'avais pas vu. Guy Grenet 8, Cédric 9, Anthony Ferry 10, et le nouveau ferme la marche, il est là. Ok. Monte de son vivant. Eh ouais, on n'a même plus l'habitude des réflexes, voilà, si on mettait le micro devant la bouche, c'est mieux. Hein. Ah bah ouais, ouais. Est-ce que c'est mieux comme ça? Allô Cléa, est-ce que c'est mieux comme ça? Je pense que oui. Oh, DT3R qui s'est rapproché à 0,17 centième. Ouais. Il est vraiment tout proche de Valentin là. 17 centièmes, ouais, ça fait. Hein. Autant dire qu'il n'y a rien qui les sépare, quoi. Ah ouais. Donc on a affaire à un bon concurrent, alors, au vu de la qualif qu'il a. Ouais. Du temps qu'il vient de mettre. Ok, merci pour la confirmation concernant le micro. Avec la fatigue, on oublie plein de choses. Tu zappes des trucs, tu cuts, tu bugs. Du coup, ça mérite un t-shirt Tessera. Oh là là. Oh là là. Tu vas vite en besogne, là. Sébastien qui met la pole provisoire. Ouais. À un dixième, un peu moins d'un dixième de Valentin. Donc très gros temps de Sébastien Desville là. Derrière, et Romain ils ont déco? Non. Problème? Non. Bah, Romain est au pit. Ça revient. Ah il est revenu? Ouais. Parce que chez Ferry il a déco par contre. Ah Frédéric Estruche qui est dans le bac à sable. Estruche dans le bac ouais. Ouais, qu'est-ce qui va se passer? Attention à ne pas... Voilà. Ça en va pour Estruche. C'est Laurent Deramelaer. C'est un peu dur. Pas simple, hein. C'est pas simple à dire, hein. Bon. Laurent Deram. Laurent Deram. Allez, Laurent. Valentin qui a meilleur son deuxième secteur.
Et le premier également. Ça y est, il est repassé. Eh ben, Valente, tu viens de signer, ouais. Il a posé l'écart. Sept dixièmes à aller chercher pour des villes. Ouais. C'est pas une mince affaire. Surtout que ça avait l'air d'être un gros tour qu'il avait fait juste avant. Romain Seigneur, hein, il déco, il recoach. Ah ouais. Peut-être des soucis de. Musso, hein, quatrième temps, hein, pas très loin non plus. Hein. Ouais, c'est plutôt resserré là sur les 5 premiers. Hein, c'est... La team Musso-Viola, là, ça fonctionne bien, hein, ils sont... Ouais, les gentlemen. Ils sont dans les bons temps. Bah, Estruch est tout seul, hein, puisque Ferry est déco, là, pour le moment. En tout cas, pour le polo clélien, si tu gagnes le championnat l'année prochaine, tu auras droit au polo. Ah. Ça, c'est sûr. Taille XXL. La taille que tu veux, il y a petit, il y a grand. S'il en reste. Hein. Mais il en restera. T'es méchant, toi, à dire XXL. Bah, il te reste que ça. Ouais, c'est vrai. Il te reste que ça. Donc D3R est passé devant Sébastien. Oh, Deramella là qui part. Ouais, Clélia nous dit elle, ça fera de la place pour deux avec Cédric. Bah oui, polo. Tout à fait. Tout à fait, ouais. Ça vous donnera, ça vous tiendra chaud l'hiver. Ouais. Est-ce que Romain a des problèmes ?
faire. Ouais. Je ne vois pas revenir pour l'instant. Donc... Il vient, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Ferry, c'est pareil, il est sorti. On... Alors, ce soir, il n'y a pas de pub. Si, mais si. Moi, j'ai eu la bonne version, si. Ah bon? Ouais. Parce que moi, j'ai la version... ça a rien, quoi. La version nue. Ouais. On a d'ailleurs... Bah, on va en parler, hein. Cette saison est soutenue par LDLC Avignon, Renault sort. Litchi, concepteur de soft. Pour les. Drones. Les drones. Mister DK qui mod les véhicules. Aze. Oui. T'es sur qui là? Là je suis sur personne, je regarde Estruche avec Ziman. Mets-toi sur DTR3. Ouais. Qu'est-ce que tu entends? Un V6 tourné. Pourquoi pas? Parce que moi j'entends j'entends un mec parler là. Ah oui, ah c'est le. Ah. C'est le commentateur en fait du circuit. Bah non! Regarde, mets-toi sur Grenet! Tu te fais sur Grenet, y'a personne! Ouais, c'est. Et tu te fais sur lui, t'entends, ouais, c'est une course de. Comment il s'appelle? De. GT3? D'endurance, ouais. GT3. Ouais, je t'avais capté ça l'autre fois quand j'étais roulé là sur le circuit. Et ben, je crois que c'est le circuit qui est comme ça, tu sais. Il y a un petit effet sonore, je pense. Après, allez, c'est que sur lui, mais attends, il n'y a pas quelqu'un d'autre au pit, hein? Bah, Valentin? Valentin, il n'y a pas la. Non, il n'y a rien, quoi. Il n'y a que lui. Ouais, c'est peut-être là. Parce que tu vois, c'est le premier pit. C'est, il est tout et devant. Et en plus, c'est, si tu écoutes, c'est toujours la même parole, en boucle. Tu vois? Oui, ça va, oui. C'est, ouais, c'est. Mais c'est stylé, hein. C'est, j'ai trouvé ça sympa, moi, la dernière fois. C'est un peu. Ah, d'accord, mais bon, ça. Bah, ça après, tu l'entends pas tout le temps, je pense. Tu l'entends juste quand t'es au pit ici, je pense, hein. Bah, j'espère. Parce que quand je regarde les autres. Ah non, quand t'es sur les autres, y a pas la voix, hein. Donc, ouais. Ça y est, Romain est rentré. Il est sur la piste. Non, il est au pit. Ouais, Romain qui va pouvoir améliorer, peut-être il lui reste 10 minutes, même pas. Alors il y a quelques modifs sur le modèle 3D, non? J'ai pu remarquer là. Je ne sais pas. Oui, ouais. Les jantes, c'est pas pareil. Il y a une petite modif sur l'aileron arrière aussi, je remarque. Donc voilà, le mode a été travaillé hein, pendant les vacances, ce que je vois. Ah d'accord. Ouais, il y a quelques petits trucs en plus. C'est pour la saison prochaine. Ouais. Il se... En tout cas, très très beau le spoiler de la voiture là. C'est ça part bien. Ah, j'avais pas fait attention. Les gens, c'est pas les mêmes, c'est sûr. Si tu me disais pas, j'avais pas fait attention pour le. Pour l'aileron. Allez, on y retourne.
la voiture des Devil Racing Team hein, qui ressemble de plus en plus à une Ferrari. Hein. Là, c'est une copie conforme, mais elle est très jolie. Hein. Elle est réussie. Et toi, tu roules dimanche ? Eh ben ouais, hein. Ah ! Oui, oui. Elle t'enverra le lien pour qu'on vienne te voir. Ah bref. Peu d'encouragement, ça sera pas en trop parce que c'est sous la pluie donc. Ouah, sous la pluie. Oh. Et ouais, ouais. Et ouais. Ah, c'est l'enfer. Ah, j'y arrive pas, moi. J'y arrive pas. Alors, Romain qui doit être encore en discussion avec les mécanos, Pete qui est pas sorti. Bon, ils vont rouler à 10 ce soir alors. Ferry qui est pas revenu. Ah, Ferry n'est pas revenu. Sébastien Deville qui a du mal à aller chercher les deux dixièmes. Qui les deux dixièmes, ouais, les deux dixièmes. C'est. Il peut le faire s'il met tout bout à bout, mais. Alors il a amélioré son secteur, le premier de 128, 12 ouais, dixièmes. Il a un dixième d'avance là pour l'instant. Et Luca qui a pris la quatrième position, hein, devant Musso. Et ouais. Oui. On va avoir une bataille inter-team là, je pense. Oh, je pense, ouais. Ils vont pas se lâcher les deux là, ils ont le même rythme, hein, je dirais. Oh oui. Bon, ouais, quelque chose près, ouais. Et Sébastien qui a amélioré son deuxième secteur aussi. Allez, Sébastien qui peut chercher dans la chicane les derniers dixièmes. Et c'est fait, ça va passer. Voilà, deuxième c'est place. C'est fait pour Sébastien. Une 43-0-93. Et Struche aussi qui a fait oui. un plus gros temps, qui est passé devant Eric. Ouais. Eric, attention, qui est en amélioration là sur le dernier secteur. Il faut pas qu'il loupe la chicane. C'est dans les mêmes chronos, mais c'est pas suffisant. Alors, on a des nouvelles d'Anthony Ferry qui nous dit qu'il va partir en fond de grille. Du coup. Ah. D'accord. Du coup, il chauffe pas le PC. Il est pas sur le circuit. D'accord. Ah, ok. Ok, bonne nouvelle. Voilà. On est rassuré. On laisse refroidir la machine. Et. Est-ce que tu as mis la neige carbonique comme en F1 là sur le avec les ventilateurs à tour, parce que s'il faut. Hein. On te donne les coordonnées d'un fournisseur si tu veux. Ah, ces trucs là, je te dis que ça refroidit hein. Et ben Struch qui est très très bon là, sur son dernier chrono qui a surpassé le très bon temps d'Eric DTR. Ouais. Belle performance de Frédéric Struch. Ouais, une belle surprise. Struch c'est un pilote qui peut montrer du très bon hein, depuis le début du championnat et on a vu que c'est un pilote qui reste souvent dans les 5e, 4e, voire même qui, des fois, il arrive dans les 3e places. Mais il est trop inconstant et. Voilà, c'est ça. C'est une course bien, une course moins bien. Voilà.
c'est quelqu'un qui peut performer, mais il faut que les conditions soient optimales quoi pour lui, je pense. Ouais. Mais là il sent bien là, je pense sur Spa. À mon avis, c'est un circuit qu'il connaît bien. Voilà, 4 dixièmes de Valentin, hein, c'est très très bon. Hein. On sait que Valentin, bon, ben, c'est la fusée, mais voilà, c'est le temps vraiment référent. Après, être à 4 dixièmes d'un temps comme ça, c'est quand même une très belle performance. Hein. Voilà, souligné par notre ami Hayes. Allez, Sébastien, qui lui reste 2 minutes, il va pouvoir faire le tour. Et Valentin qui ne repartira pas, donc. Oh non. C'est un risque hein, qu'il prend quand même à ne pas repartir alors que tout le monde repart. Il a peut-être assez confiance sur son chrono. Ah non, ça, il repart. Hein, il ressort. Tu vois. Ah, il te contredit vraiment, là. Vraiment à la limite. Bah, il reste une 38 encore. Il faut qu'il mette un bon tour des bonnes parties. Son dernier tour. Allez, je vais observer ça avec Valentin, moi. Et Musso qui a repris la place devant son coéquipier. 6e et 5e. Ouais, ils vont se battre. Ouais. Et pas grand chose. Hein. Allez, Sébastien, attends, entamez son tour lancé. Là, il a perdu 1 seconde 100 sur le premier secteur. Et non. Estruche a terminé, Musso a terminé. Romain et Anthony également. On a des ramella en drapeau jaune, attention. Seb ne fera pas mieux sur ça, cette partie. Mais par P2. C'est Eric Deter qui. Non, qui n'améliorera pas. Voilà. Le début du plateau, donc c'est plié, hein, je pense. Valentin, Sébastien, Frédéric Estruche, 3e. 4e Eric. Très belle 3e place hein, pour Estruche. Ouais. Allez, Valentin est en direct. Ah, il a amélioré un petit peu, Viola, mais pas assez. Ouais. Il a gagné 3. 2 dixièmes, il a. Ouais. Ouais. Non, 3. Bon, à peu près 2-3 dixièmes, ouais. Ouais, 3 dixièmes, à peu près, ouais, en gros. Ah, ils vont.
Ils vont faire la course ensemble, je pense. Après, il peut s'en passer des choses, hein. Ah oui, oui. Mais bon, le temps est gris. On n'aura pas de pluie, Bielsa, non? Non. Je sais pas. Moi j'ai des éclairs par moment, mais... C'est jamais. Mais il pleut sur Spa aujourd'hui, non? Ouais, ils avaient de la pluie sur la fin des essais libres, là. Ah. Alors, comme d'hab en Belgique. Hein. Le souvent là-bas. Tu vas me dire à nous depuis le 15 août. Moi, c'est, ouais, c'est pas top. Chez nous aussi, il pleut. Hein. Ouais. Moi, ça fait. C'est quand même hyper. Mais depuis qu'il s'est remis à pleuvoir, je suis envahi de moustiques à la maison. Eh ah. Oui, bah oui, bah oui. Oh. À l'horreur. Allez, Lucas qui rentre en voiture. Alors, Eldrix, salut. Pourquoi les F1 sont si mal baudés? Pourquoi dis-tu ça? Comment tu peux dire ça? Faut l'avoir en main, cette voiture. Non, je t'assure qu'elles sont pas mal baudées. On les voit en direct. C'est un très bon boulot qu'ils ont fait. Alors peut-être qu'il compare au vrai modèle. Oui, la forme... forme du modèle. Mm. Voilà, ça c'est un modèle 3D qui date d'avant la révélation des voitures, hein, c'est bien ça. Hein. Ouais. Ça se basait sur le show car de la F1 2022, donc... Donc là, du coup, on va se laisser 10 petites minutes de pause, histoire que les copains puissent souffler, et puis on reprend la course. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Ok. Il y a la loi de Murphy qui est là. Ok.
Non. Thank you.
Et re. Re. À 20 secondes du tour de formation. Ouais. Donc tous les pilotes sont alignés, hein. Anthony Ferry est revenu aussi. Il a pris sûrement une pénalité départ fond de grille. Durement. Donc les feux vont s'éteindre. Ah. Allez, ah, déjà ça se tape un petit peu. Allez. Oh merde. Ah putain, je suis sorti, les gars. Ah. Ah, je suis mort. Je peux plus rentrer. Tu peux plus rentrer? Non. Pourquoi ça? Bah, je peux pas rentrer, je suis sorti du jeu, je peux pas rentrer. Non. Je vais faire réfléchir, mais. Non. Non, je peux pas rentrer. Entente. Hop. Oui, mais c'est ce que j'ai fait. Ah, bah voilà, bon bah. Bon, comment dire ? Allez, bon. Voilà, non. Je peux pas rejoindre. Je peux pas rejoindre. Allez, on monte les gommes en température. Le petit train-train derrière Valentin. Frédéric Estruche, hein, on va surveiller ça. On va voir son départ. Ah bon, bon stream, les gars. Hein. Bah merde. Comment ça se fait que tu... C'est quoi, ça te met quoi comme erreur? Bah ça me met pas d'erreur, je suis sorti et je peux plus rentrer. Je me suis trompé de bouton et je suis sorti. Je suis sorti du jeu. Et comme la course est lancée, bah je peux pas rentrer. Et tu peux plus rentrer à partir du moment où la course est lancée? Bah ouais. Bah mince. Si. Non. Attends, non, pour ce moment. On redémarre le PC. Hein. Oh, Sébastien, qu'est-ce qu'il nous fait? Il vient de taper le mur là, avant l'arrêt de bus. Attention, Sébastien, il rentre au stand, Sébastien. Il ne partira pas en deuxième place. Quelle erreur. Oh là là. Ok, ça va partir. Donc Frédéric, hein, qui a la voie libre à l'extérieur, on va regarder ça. Et bon envol de Valentin. Frédéric qui défend et qui part au large. Attention Frédéric, déjà la erreur. Oh. Frédéric qui perd 3 positions là avant même le premier virage. Romain qui a pris un excellent départ là, il est déjà au cul de Musso, il va le dépasser. Oh, c'est Musso
fait. Et Romain qui est passé, il a conclu le mouvement. Et Sébastien Deville en dernière position. Quelle erreur. Ah, il doit s'en vouloir, hein, Deville. Là, il va devoir remonter tout le plateau. Donc Valentin qui a réussi à garder la première place et a déjà creusé un gap sur le deuxième. Romain qui a pris un très bon départ, il a gagné 3 places. Lorenzo Musso aussi qui gagne une place sur ce premier tour. Alors que Grenet, Viola derrière, ça s'est dépassé. Un départ plutôt propre, hein. J'ai pas eu de contact. Oh, il part. Oh. Toujours pas de réponse, Bux. De quoi? Toujours pas de signe de vie de la part de CTO. Non, je peux pas rentrer, alors je suis sur YouTube, hein, je regarde. Ouais. Je regarde sur YouTube. T'auras un décalage. Frédéric qui tient malgré tout, malgré ses deux places de perdu là, il faut qu'il reste accroché à l'arrière de Musso là. Et Viola sur Guy Grenet. Des dépassements là sur le fond du plateau. Des Ramela qui a du mal avec son train arrière. Oh, c'est Ferry qui est en spin. Il est à l'envers dans les stands. Allez, il va repartir. Là, il a dû toucher là le mur. Ouais. Il a touché à peine. À peine. Oh, un Estruche qui a l'attaque, hein, de Musso là. Il a une avance confortable sur Luca Viola. Donc il peut totalement se concentrer sur devant lui. Et Sébastien qui met la pression à Guy Grenet là. Le P6, P7. Avec l'aspiration. Oh, il cherche un espace, mais il trouve pas. Il défend l'intérieur, Guy Grenet. On va essayer de. Non, c'est passé pour Sébastien. Très beau dépassement par l'extérieur là. On voit
voit le, on a vu la différence dans le freinage entre les deux pilotes. Les points de freinage sont pas les mêmes. Eh ben, Daniel, je vais te saluer dans le chat, hein, puisque t'es là. Salut. T'as une position qui est chelou ce soir. Eh ouais. Ah, Guy Grenet là qui va réattaquer Sébastien au DRS. Ça passe. Il va pas se laisser faire, Guy Grenet. Large. Sébastien, il va avoir une meilleure sortie pour la ligne droite. Là encore, il n'arrive pas à trouver l'espace, Sébastien Desvilles. Oui, c'est loupé Guy Grenet avant la ligne droite du Raidillon, virage du Raidillon. Ouais, il est passé, Seb. Guy Grenet avec le DRS, du coup il va repasser. Oh, ça tasse fort. Laisse très peu d'espace, hein, Guy Grenet dans ses défenses. On a une belle bataille entre les deux pilotes, là, c'est beau à voir. Superbe. Très beau à voir. Si je te passe, je te repasse. Il va falloir qu'ils tiennent bon, Guy Grenet. Là, il monte une belle performance. Pour l'instant, il tient le rythme à Sébastien Desvilles, c'est pas rien. Faut voir sur la durée. Il y a encore beaucoup de tours et on va voir ça. Mais là, en tout cas, ils se battent bien les deux. C'est beau à voir. Ouais, il lift un petit peu Sébastien pour rester sur ce DRS et ouais, il va essayer de dépasser ici. Et je lui dis rien, on a Cédric qui met la pression à Deramella. C'est passé pour Seb. Beau freinage des deux pilotes. Allez, Cédric est passé aussi. Devant, les gaps sont un peu faits. Ça y est, Valentin, il a pris son rythme. Romain est dans un bon rythme aussi. Hein. Il reste quand même à 2 secondes 3 de Valentin. Mais il roule constant, Romain, pour l'instant. Il n'arrive pas à se faire attraper. Oh, c'est Lorenzo Musso, gros crash alors que j'allais sur lui. Il a tapé le mur très très fort là. Lorenzo Musso, des gros dégâts sur le véhicule.
gros gros crash, attention, attention. Est-ce qu'on sortirait pas une... Allez, parce que là vraiment il a tapé mais... Alors comment il va repartir? Fort hein. Et du coup ben, ça fait la part belle à Frédéric qui reprend une place de podium là pour le coup. Et il est tranquille du coup, il a 6 secondes de Luca Viola. Il est à 5 secondes 8 de Romain donc il a un coussin confortable. Donc il peut faire sa course. Faut pas se louper sur la stratégie et il peut l'avoir ce podium. Après il y a Sébastien Deville hein, qui remonte très très fort. Faudrait que je regarde les chronos, les temps autour, mais... Allez, DT3R qui est passé devant Deramela. Et Lorenzo qui est ressorti des pits. La voiture neuve. Mais gros gros crash, attention à Lorenzo. Hein. C'est des erreurs à pas faire ça. Voilà, une 47-144 pour Romain Seignour. Frédéric derrière en une 47-421. Et après on a Luca Viola derrière en une 48. Donc voilà, ils sont pas dans le même rythme. C'est Sébastien qui va remonter sur Luca Viola dans pas longtemps. Guy Grenet qui a perdu le rythme hein, de Sébastien Deville. Attention Romain parce que sur ce tour là il a perdu 4 dixièmes sur Estruche. Eh ben, 10 tours avec quelques événements. Hein. Il y a eu des beaux dépassements. Hein. Ouais.
un des T3R là qui se rapproche de Cédric. Mais bon, ils sont pas dans le même rythme, hein. Valentin qui met le meilleur tour en une 46-7. Et Romain derrière qui est en une 47-3. Les écarts se creusent doucement, doucement. Là devant. Ouais. Sébastien qui revient aussi près de Lucas là. Notre cher président d'association, monsieur Luca. Sébastien qui est très très près maintenant. Il a pris 2 secondes sur le tour précédent là. Ça va se faire proprement au DRS. Voilà. Sébastien qui va aller chercher la troisième position. Il va essayer d'y aller. Il a 10 secondes donc rien n'est joué. Hein. 10 secondes, ça se reprend très facilement. Oui. Il va y avoir la stratégie. Voilà. Ouais, on va voir ce qui va se passer hein, avec leurs pneus. Donc Valentin est parti en médium. Romain en soft, Frédéric en soft, Sébastien Deville en médium aussi. Après Lucas est en soft, Guy Grenet en soft, Eric DT3R en médium. Donc voilà, ceux qui partaient devant sont partis en médium. Cédric en soft, Deramella en soft, Ferry en médium, Musso en médium. Donc voilà, il y a des strates différentes. Donc on va voir si laquelle est la meilleure. Bah toi, tu n'auras pas cette question à te poser dimanche puisque vous avez la pluie. Oui. Ouais. Mais ils tiennent combien de tours les pneus en pluie là? Ah, une vingtaine. Une vingtaine. Quinzaine, 15-20. Mais déjà au premier tour, c'est compliqué. Alors je vais pas te dire quoi. Ouais. Ha 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 ha.
Ah, j'ai un peu du mal, ouais. Tu peux rouler, mais pour rouler vite, ça demande vraiment une confiance dans le grip et je l'ai pas. J'ai pas assez roulé ou j'ai pas le truc, mais. Allez, Freddy Pitt, ça va être le premier. Donc il était en soft. Hein. Donc on va là, il va déclencher toutes les stratégies là. Lucas qui pitt aussi. Lucas aussi, il suit derrière. Ouh, attention à Ferry là qui a failli rentrer en collision avec Deramella. Mais là, c'est pas passé loin entre les deux pilotes là. Donc Lucas qui sort 7ème derrière Cédric. Et Estruche qui perd juste une position sur son pit, donc c'est pas mal. Là, ouais, il a l'air frais. C'est pas mal. Il a des pneus neufs, donc voilà. Muy bien pour lui. Il est bien. Mm. DT3R qui va essayer lui d'emmener ses pneus, hein, je pense, au maximum. Ceux qui sont médium, de toute façon, c'est. Il faut vraiment essayer de les conserver. Allez, Valentin qui vient de déposer le meilleur temps. Ouais, Valentin qui enchaîne les tours chrono là. Allez, Romain qui vient de rentrer au pit. Donc on va voir à quelle distance. Il ressort devant Frédéric Estruche. Voilà, il sort. Tout à l'heure, ils étaient à peu près à 6 secondes. Ah là, il perd du temps, Estruche, là. Il perd du temps sur la sortie du premier virage. Il est parti au large. Ouais, il a perdu sur le pit. Il a perdu 2-3 secondes, Frédéric, sur son tour de. Hey, salut Julien, salut, il nous salue. Salut, salut Julien. Bienvenue. J'espère que ça va bien pour toi. Également, ça fait un moment hein, qu'on ne s'est pas capté également. Les vacances, les affaires de famille. Et c'est Romain Seigneur qui est ressorti en soft. Il avait déjà les softs, hein, Romain. Donc il a fait soft là, si je me trompe pas. Ouais. Nickel, bah tant mieux. Ouais, la reprise, ça va arriver. Oh, on va se concocter ça aux petits oignons.
Alors du coup Biwix il a eu une il a touché un il a appuyé sur le bouton où il est sorti du circuit et il a pas pu revenir sur le serveur. Du coup il est dans le chat enfin on blabla avec nous, il suit il supporte la course sur YouTube. C'est très 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 bête. Allez, on va aller voir un petit peu notre Valentin, la fusée. Ah, c'est vraiment des trajectoires parfaites. On voit qu'il a de l'expérience, le pilote. Tout à fond dans le raidillon, rien à dire. Ça freine très très tard, ça passe vraiment bien. C'est très très beau pilotage. Hein. Vraiment, il gagne pas toutes les courses pour rien. Voilà, on est monté avec lui, très agréable, trajectoire parfaite. C'est toujours un plaisir. Alors, jusqu'où va-t-il pousser ses pneus, notre Valentin ? Il avait l'air confortable, hein.
Ah bah là, il est toujours dans les mêmes chronos qu'il faisait, quand les pneus étaient bien. Donc pour lui tout va bien, hein, il va les emmener au plus loin possible. Hein. Je suis peut-être jusqu'au 25. Si vraiment il se sent bien, il peut les emmener vraiment loin, donc on va voir. Allez, il y a Seb qui vient de sortir des pits, il vient de changer de pneus là. Seb est en médium encore. Donc il a fait médium. Donc Seb est ressorti à 1,5 seconde hein, derrière. Il y a Frédéric, ouais. Donc là, il a son cul. Et une bataille pour le podium. Passer là, non, il n'a pas osé. Il y avait la place, mais il n'a pas osé. C'était un peu chaud. Ouais, c'est une trajectoire différente. Avec le DRS là. Oh, ça serre. Ça a serré. Ouais. Un petit tour dans l'herbe. Malheureusement, il tient pas le rythme de Sébastien là, Frédéric Asfouch. Il se fait distancer immédiatement. Allez, DD3 Archéopit. Viola qui passe devant lui. Et peut-être Ferry aussi, oui. Ferry aussi est passé. Guy Grenet aussi. J'ai pas bien compris la sortie de T3R là. Il a fait un arrêt en deux temps. Il est pas reparti tout de suite. Ouais. Ah
Oh, des Ramela qui est en drapeau jaune dans le premier virage. Oh, il a le volant. Il a le volant clairement à 90 degrés là. Ah ouais. Oh. Il y a eu un contact un peu fort. Est-ce que c'est safe de la laisser tourner comme ça cette voiture? Bah regarde sa vitesse. Il est pas au ralenti, il la ramène la voiture, oh, il a l'air de. Elle est au ralenti hein. Bon après il est derrière mais. Il va la ramener au stand. Valentin qui se rapproche de Deramella. T3R qui est passé sur Guigonnet. Musso aussi sur Cédric. On a eu deux dépassements simultanés là. Pour Musso qui part un petit peu à la faute. Il y a une belle bataille là qui s'annonce entre les deux. Peut-être. Cédric arrive à tenir le rythme. Alors on a entendu le spotter de Valentin. Ah, Valentin qui continue, hein, il est 23e, 24e tour, il a toujours ses pneus médium. On ne devrait pas le voir tarder à s'arrêter, normalement. Allez, Anthony qui rentre au pit.
Est-ce qu'il passerait pas les hards, Valentin, et pour faire seulement un seul arrêt? Bonne question, cher ami. Que va-t-il faire? Lorenzo Musso là, qui revient sur Anthony Ferry. Hey, Guy Grenet qui pite. Allez, 26e tour, Valentin, toujours ses pneus. Ouais. Ah, je pense qu'il va, il va faire qu'un seul stop. Hein. Ça se... Le pire, c'est qu'il continue de gagner du temps sur, sur Romain. Ah, Musso, il n'arrive pas à revenir sur, sur Anthony. Les espaces se maintiennent. Hein. Ouais. Cédric aussi qui est juste derrière. L'espace se maintient.
Valentin est en 1.46.0 avec des pneus médium usés. Et Romain avec ses softs, il est en 1.47.100. Donc il y a une grosse perte de rythme pour Romain là. Il devrait tourner plus rapide. Sébastien derrière en 1.46.7. Allez, Lorenzo qui repite. Et dans l'entrée pit, il y avait une safety car qui avait le capot avant ouvert. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bon? Ouais. Oui, moteur? Non, le capot ouvert. Okay. Moi qui ai eu un effet d'optique, mais non, il me semble pas. Hein. À revoir. Sébastien Deville qui se rapproche doucement de Romain là. Tour après tour, ça grappille. C'est monsieur D3R là qui revient doucement sur monsieur Viola là. Et ouais. Allez, Romain qui repite. Alors Romain avait été soft. Je me trompe pas. Voilà, Valentin, il va nous mettre des softs. Hein. 30e tour, il est toujours sur des médiums. Ah oui, il va finir en soft. Oh, attention, pas taper le mur. Valentin, on a l'impression que plus les pneus s'usent, plus ça lui convient. On va le voir rouler sur la jante. Ah ouais, ça va finir... sur la jambe, tout ça. Ah, mais au vu des chronos, je me pose la question parce que. On dirait qu'il a des pneus neufs, quoi. Il a pas pité à un moment donné, non? Non, il a pas pité. Ah, 1.47.
une 45-7 encore pour Valentin, donc. Attends, pick in 20, laps 20 tours. De TR qui passe Viola là avant la chicane. Ouais, il a pité au 20e tour. Hein. 20e tour, il a pité. Valentin ? Ouais. Putain, j'ai pas vu ça alors. Non, moi non plus. Ok. Alors autant pour moi. Merci pour ta réponse, Julien. Il a fait médium. Ouais. Et il va faire. Ok. Frédéric est toujours 4e. Il est là. Ah ouais, il fait sa course. Ouais. Il fait sa course et il est constant en tout cas. Frédéric Opit. Ouais, la safety car a le capot ouvert, je le confirme. Ah ouais, c'est vrai. J'ai bien capté. Un problème mécanique Allez, Frédéric il sort en P6. Juste derrière Viola. Là, ça va se jouer là. Le temps de mettre les gommes en température. Voilà, les mécanos, ils nous ont fait un effet sur la safety car avec le capot ouvert. On va le trouver, celui-là. C'est pas passé loin. Il a évité le contact. Hein. Qui rentre au but, ouais. Je vais me délecter de ce capot ouvert.
On voit le moteur ou... Non, non, non. Après, je pense que si tu vas dessus, on peut le voir. Et c'est laquelle de voiture, la mienne ? Non, la mienne. Ah. Attends, on va aller voir le moteur. Ou pas ? Oui, on voit le moteur. Incroyable. Tu peux conduire comme ça ? Je sais pas. On va tester. Je peux conduire. Ah, c'est mort derrière. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais. Ouais. Parce que je sais que celles-là, elles sont très bien rodées, il y a le petit rétroviseur qui se ferme et tout. Donc ça serait pas étonnant, tu sais, qu'il s'est mis des conneries de ce genre. Ah, il y a Aldo qui rigole dans le chat. Ok, le son est revenu. Il est revenu très très vite sur, sur Eric. Il est plus qu'à 2 secondes. Il a des pneus neufs et Eric arrive sur la fin de ses gommes. Hein. Je sais pas s'il va pouvoir aller au bout avec Eric, mais il va perdre le rythme. Cédric, il s'est sorti un petit peu, il a fait un petit spin. C'est repart. Ah, il y a Jay le mécano qui me dit d'appuyer sur l'une de mes touches du pavé numérique pour la voiture, pour le capot. Oui, ça doit être ça. Pour fermer le capot. Ok. Et David qui reprend le meilleur tour en 44-8. Estruche qui vient de passer sur DTR qui rentre au pit. Ouais. Comme tu disais, DTR, là, il est pas fin. Et Romain qui va peut-être accrocher une deuxième place hein, sur Spa. Ouais, parce que lui il a fait ses deux arrêts. Là il va au bout là. Il reste 9 tours. Valentin va devoir piter pour passer des pneus soft. Ciao Anna Caria. Salut. Ça supporte Lorenzo. Merci.
Allez, des armées là, qui laissent passer des T3, qui est drapeau bleu. Allez les amis, on met le petit pouce qui va bien pour cette course. Bon, les vainqueurs, c'est un circuit qui est long. Donc, les combats, on en a eu pas mal au début. Ça s'est étalé. C'est un petit peu étalé, mais... C'est Romain, je trouve, qui gère très bien sa course. Hein. Il est très constant, il est propre, il fait pas d'erreur. Romain, on l'a souvent vu sortir. Hein. Oui, il faisait des erreurs. Là, sur Spa, pour l'instant, il en a fait aucune. Ouais, et puis surtout que le départ a été compliqué, puisqu'il avait, il rentrait sur le serveur, il ressortait. Ouais, il est parti 5 ou 6. Et il est remonté troisième très rapidement. Oh, il y a Darmé là qui est un petit peu parti au large là, mais sans conséquence. Allez, Anthony Ferry qui pite. Lorenzo, ils vont profiter là. Et non. Romain qui a mis le pied dedans là sur ce tour. Une 45-5. Il a pris 6 dixièmes sur son meilleur tour précédent. Donc il accélère là, il met pied dedans, il relâche rien, même si il sait qu'il a une avance confortable, mais en même temps il y a Sébastien qui est pas loin non plus. Hein. Il faut pas réduire son rythme pour autant quoi. 7 secondes, 8 secondes, ça va très vite. Quand l'autre derrière est, il a l'attaque aussi, faut pas se relâcher là, il y a encore quelques tours. Ah, Sébastien là sur ce tour là il a pris 4 dixièmes à Romain, donc voilà il va remonter hein. Il reste 6 tours, ça va être dur.
Ça va être dur pour Sébastien de recoller. Valentin qui a déroulé hein, cette course hein, quand même. Oui, hein, sans faute. Sans faute là aussi. Hein. Sans faute, il a le meilleur temps autour. Ah non, c'est Deville qui a le meilleur temps, pardon. Mais rien n'est fait. Allez, Valentin qui est allé piter. Il est reparti donc en soft. Ouais, donc le best time il va direct tomber, hein, je pense. Ouais, il va aller le chercher. Après, est-ce qu'il n'y a pas une règle qui dit que si vous changez les pneus un certain nombre de tours avant la fin, c'est pas comptabilisé pour le best lap? Non. Non. Non, non. Donc ça va alors. Ouais Julien, comme tu dis, attention les chronos, on va veiller à ça. Ah, j'ai une duplication du nom de Frédéric Estruche avec DT3R. Ah, ça c'est embêtant. Ouais. Mais il est là dans le top 5, hein, monsieur, là. Nouvelle venue, mais c'est ouais. Prometteur. Ouais, c'est solide. Attention à Guy Grenet, là, qui est en...
qui grenait en, en perdition là. Ça va. Ça, ça repart. Allez, Sébastien qui pite. Parce que Estruch va ressortir pas loin là, de Sébastien. Oh, attention à ça. Ça ressort tout proche là, Estruch de Sébastien Deville. Alors pourquoi Sébastien Deville a pité sur les derniers tours ça? Il a mis des softs, il a fait médium. D'accord. En tout cas là il prend des risques parce que du coup Estruch il est derrière lui à 3 tours de l'arrivée. C'est une très très mauvaise position pour lui. Et voilà. Bon, Valentin il a mis un chrono sorti de l'enfer. Comme tu dis Julien, voilà, ça sentait le best lap, il a fait la S1 et la S2. En mieux. Donc bah voilà, conclusion, best lap pour lui. C'est dommage que Frédéric n'arrive pas à suivre Sébastien là. Il lui manque un peu de rythme à Estruch et il pourrait vraiment jouer des grosses positions. Un tout peu de... DRS. Il faut pas lâcher le DRS, il y a encore. Ça y est, les gommes de Sébastien sont en température maintenant, donc il va prendre de l'avance. C'est dommage pour Frédéric, en tout cas il a fait une très belle course. Hein. Ah ouais, c'était solide de sa part. Quel est, selon vous, ce soir, le pilote de la soirée? Avis au chat, quel est pour vous le pilote de la soirée? Alors moi j'ai une petite idée, moi je dirais Romain Seignon. Qui a géré sa course parfaitement. Ouais, il est éclatant ce soir, il brille. Ouais, il apprécie le circuit, je pense. Allez Valentin, il aligne les chronomètres, 1:43:184 et il est dans son dernier tour.
Et ben voilà, hein. Valentin qui arrive dans le dernier enchaînement de virages. Ça passe la ligne. Et c'est bravo fait. Lui. Un gros bravo. Encore une démonstration de force là ce soir, Valentin. Et le petit donut. Et c'est Romain Seigneur qui va arriver, qui va clôturer en deuxième position, Romain Seigneur. Félicitations. Bravo. Allez, s'assurer P2. Et le coéquipier qui arrive. Bah, la team Ferrari, là. Ouais, la team de la Devil Racing Team, là. P3 pour Sébastien Deville, bravo à lui. Grosse perf. Après le tour de formation catastrophique. On rappelle qu'il est parti du fond. Hein. Et il a su remonter la grille. Frédéric Estruche, 4e du coup. Bravo à lui aussi. Hein. Grosse course. Belle course ce soir, Frédéric. C'était propre, on a eu des belles batailles au début là. Eric qui a fait une belle qualif, il finit 5e. Luca Viola qui finit P6. Anthony qui est 7e. Lorenzo qui est P8, Cédric P9, Guy Grenet P10 et Monsieur Deralmella qui ferme la marche avec la 11e place. Mais il a fini sa course et c'était sa première course, donc on lui souhaite la bienvenue et on souhaite qu'il continue dans la ligue, hein. C'est comme ça qu'on progresse. Et fait pour sa course. Voilà les champions. On a Valentin accompagné de Romain et de Sébastien qui vient se caler à côté de lui. Et ben bravo à eux, hein. Bonsoir à tous. Bonsoir Romain. Salut. Comment s'est passée votre course à vous en tant que streamer? Très très bien. Ça va, c'était chouette. C'était une chouette course. Hein. Ouais. Le premier tour et tout, c'est très propre. C'était bien. Non, c'est pas mal. Toi, t'as fait une belle course. Bon, non. Reviendra après quand il y a tout le monde. Alors je sais pas si c'est moi qui ai une mauvaise connexion, mais je t'entends pas correctement. Est-ce que Zivan, tu m'entends correctement? Ben non, là il y a de la déconnade. Ah, moi aussi. Ouais. Non, pas toi, pas de ton côté, c'est Aze. Aze, en fait, ouais. Ok. Ah bon? Ouais, ah, ça revient. C'était une super course avec. Bon, j'ai décalé mes stratégies et c'est vrai que c'était assez difficile. Mais dans l'ensemble, avec le nouveau casque de réalité virtuelle, je vois tout de suite la différence. Ah, ça y est, t'as roulé avec le casque ce soir? Ouais, c'est la première course ce soir. Je vois qu'en termes de régularité, d'efficacité, de prise des points de corde, l'apex, c'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Je sens tout de suite une différence. C'est conséquent.
Ah bah on l'a vu, hein. T'as vraiment bien roulé, c'était constant, c'était bien. Pas une erreur. C'est... Oh, j'ai fait deux Ouais. petits travers, mais c'était tellement infime que ça m'a pas dérangé. Et vous, il y a eu du spectacle? Oui, au début, Bah ouais, ouais. par-ci, par-là. Au début, il y avait une bonne bataille avec Frédéric Istruche, et puis ceux qui suivaient Il a bien là. défendu sur. Il a défendu sur qui déjà ah. C'était Guy Grenet, non? Non, il y a eu Guy Grenet Ouais, puis on a vu des gens aux avant-postes qu'on et voit pas Seb. très souvent. Je Ouais, pense que ouais, c'était une bonne chose. Il manquait Simon Enardi ce soir, mais effectivement, ça donnait effectivement un bon plateau. On n'était peut-être pas trop nombreux. Je pense que c'est du fait que c'est la fin d'été et que les mecs oui. sont encore en vacances. Mais en tout cas, c'était une belle course. Et puis, j'en profite encore à nouveau, je pense que vous l'avez déjà fait, mais pour remercier nos sponsors. Litchi, LDLC, Renault Sorgue, qui nous accompagne tout au long de l'année. Et puis LDLC qui met 1600 euros de lot à disposition. Donc si le cœur vous en dit, il reste encore de la place sur le championnat. Ouais. Et ben on remercie les sponsors. Carrément. Et puis je vous remercie vous aussi pour votre partage, vos commentaires. Et votre soutien. Merci. Romain, tu as le bravo de Julien. Julien Deville. Non, Julien, un de nos copains sur SR1. Chouchou. Non, Non, voilà. Julien, c'est Julien. Eh ben, je te remercie, Julien. Salut à Seb. Bonjour. Bonjour Seb. Comment Bah s'est alors passée ta ta course? course, ton Course à oublier. comment ça t'est? Course à oublier pour ma part. Alors, je suis content pour la team. Bravo à toi, Romain. C'est cool cette P2 pour toi. J'arrivais pas à te remonter sur la fin, mais pour ma part, ouais, c'est clairement une course à oublier avec cette connerie débile et monumentale à la fin du tour de formation où je me mets dans le mur. Et puis voilà quoi. Du coup, je dois partir des pits. Alors, bon, vu qu'il n'y a pas vraiment de procédure par rapport à ça précisée, j'ai attendu simplement que toutes les voitures me passent devant, puis je suis parti C'est comme une je très bonne pouvais. stratégie. Et puis, de toute façon, c'était sûr et certain, il fallait que je m'arrête parce que j'avais vraiment l'aileron avant rouge, l'aileron arrière qui était jaune foncé. Voilà, c'était obligatoire de m'arrêter, je ne voulais pas perdre de temps. Et puis voilà, remontada difficile, je me suis battu avec Guy Grenet qui était pas évident à passer. Des bugs de réel penalty aussi qui nous disaient pas quand on pouvait activer le DRS, donc ça n'a pas aidé par rapport à ça. Donc j'ai fait comme je pouvais quand je voyais que j'étais en tout cas bien 500 mètres avant la zone de DRS, déjà à moins d'une seconde, je me suis dit que je pouvais légalement l'activer. Je l'ai fait, je pense, 4 fois maximum durant cette course. Après, bon, voilà, remontée difficile et puis à la fin. Mes pneus ils tenaient plus et j'arrivais plus à remonter sur Romain, alors autant essayer de faire un dernier arrêt pour essayer de reprendre le meilleur tour et j'ai pas réussi à le faire. Donc voilà, pour moi c'est une course à oublier. Course à oublier, mais quand même des gros points. Ouais. Donc, Oui, des gros points, ça c'est oh, sûr. tu es trop modeste, hein. C'est un bon résultat quand même. Ouais. J'ai le sentiment, tu vois, Charles Leclerc, quand il a l'interview de fin de course et puis qu'il a fini troisième alors qu'il était parti en pole et qu'il était censé finir premier. Alors moi, Oui. je ne suis pas parti en pole, mais voilà, j'ai un peu. Je pense d'avoir la même tronche que Leclerc et les mêmes sentiments que lui. Ouais, bon, c'est vrai que ton erreur sur le tour de formation, là, j'ai rigolé, mais c'était. Ouais. Mais ça arrive, hein, ça arrive. Ah bah c'est clair, on peut pas être. Moi ça m'embête parce que c'est une de mes courses favorites au championnat. J'adore Spa-Francorchamps, donc c'est d'autant plus amer de pas réussir à gagner la course préférée. Donc voilà, c'est comme ça ma foi. Hein. Il faut l'accepter de toute façon, j'ai pas le choix. Ouais. Bon, belle course quand même. Ouais. Et puis bon bah merci à vous aussi pour le job que vous fournissez. Je pense que Romain il a déjà fait le tour.
Des sponsors. Des sponsors, ou bien. Oui, ouais. Parfait. Ben, je les remercie encore une fois, tous nos sponsors qui nous permettent de vivre, de réaliser ce championnat avec des bolos à la clé. Donc ça, c'est offert par LDLC, je vais le rappeler. Et puis, ben, merci à tous les autres. Litchi, Mister DK, Renault Sorg. Et puis, ben, merci à vous, les streamers. Donc à toi, Zivan, avec Biwix et puis Aze. Merci à SRA pour le travail que vous fournissez. Et puis sur l'autre stream, bah, on a sur Twitch la loi de Murphy qui nous fait aussi un beau stream de son côté. Donc c'est cool. Merci à vous pour tout ça. Yeah, et pas de quoi. Merci à tous les spectateurs aussi qui auront suivi la course. Oui. Ouais, on a des, on a du supportage. Ah, merci à vous. Lorenzo, il a été supporté. Il avait son fan club. Il avait les tifosi. Non, c'était bien. Est-ce qu'on aura Valentin ou... Ah, il est en interview, Valentin, il va arriver. Ah, il est avec la boîte Murphy. Il va arriver. En tout cas, bravo à vous deux. Ouais. Bah c'est cool, au moins on a maximisé les points avec la team, là avec Romain, je suis content pour lui, ça P2, c'est cool. Ouais, je pensais que t'allais remonter sur la fin de course, mais... Mais ouais, j'ai trop tapé violemment dans mes gommes, et puis ils étaient rouge en termes de température, les pneus à l'avant. J'ai atteint les 140 degrés quasiment, donc ouais, j'arrivais plus, et puis... J'ai vu que je le remontais très vite, mais ça a stagné. Et puis 2-3 tours de suite où ça stagnait, ou même je commençais à perdre du temps. Je dis bon, c'est foutu, reste 3 tours. Autant rentrer, j'ai vu que c'était plus chaud que ce que je pensais, mais il me semblait que j'avais bien assez d'avance sur Fred. Mais bon, je suis ressorti juste une seconde devant lui. Ouais, c'était chaud. Hein, c'était chaud. J'ai pas réussi à le faire ce temps. Donc... Il t'a donné un peu de mal ce soir, Fred. Hein. Ouais. Il m'a. Petite touchette. Bon, bah voilà. il m'a poussé dans l'herbe quand je le passais par la droite. Je pense qu'il m'a. Ah oui, on a. Comme d'hab, il doit avoir des problèmes de rétroviseur. C'est un peu troll. C'est un peu. Ouais, il t'a bien tassé à cet endroit. Tsunoda, quoi. Mais ouais, on a vu ça. Oh. Ça fait du spectacle, de roue dans l'herbe. Ça fait une petite montée d'adrénaline. Ouais. Alors, la prochaine, tu connais le circuit ? C'est Zandvoort ? Zandvoort. Ouais, on l'a fait l'année passée déjà. Circuit que je connais pas plus que ça, mais que j'avais trouvé intéressant à piloter l'année passée, donc on va remettre ça, quoi. C'est dur pour doubler, mais ouais, à piloter, vraiment cool. Salut Aldo, merci d'avoir été là. Alors attendez, il y a Valentin qui va venir, je crois, encore, si jamais. Parce qu'il y a Aldo dans le chat qui dit « Yo !» Aldo, il habite juste à côté de Spa. Ah ben voilà. Notre ami. Alors, hop. Voilà Valentin. Ah. Yep. Salut Valentin. Bonsoir Valentin. Bravo hein. Merci. Belle course. Alors qu'est-ce que t'en as pensé de ta course? Bon, ça s'est bien passé. Bon, j'ai pas vraiment grand chose à ajouter. Comme d'hab. Il y a peut-être peu à dire, mais voilà. Oui. Si, j'ai essayé de manager les pneus bien comme il faut et puis faire medium soft. Donc 20 tours et 5 tours pour la fin pour essayer d'avoir le meilleur tour. Ah bah c'est réussi. Oui, et puis voilà. C'est réussi, bravo. On l'a regardé ce moment-là. Hein. On l'attendait. Moi j'avais calculé, tu vois, différemment. J'avais calculé 17-17-11. Ouais. Bon, quand t'étais final, à plus de 11 tours quand t'as passé les softs. Ouais, parce que j'ai essayé de... Il restait 12 tours à faire. Quand j'ai passé les softs à la fin, il restait 12 tours, mais parce que j'ai essayé de remonter sur Romain.
que j'ai pas réussi à faire. Ah mais j'ai bien vu les pneus, de toute façon, les softs, au bout de 7 tours, ils perdent l'avantage face au médium, s'ils sont 9 et 9, tu vois, donc... Ouais, c'est ce que j'ai remarqué aussi après, du coup. c'est ce que j'avais vu avec Romain en tout début de course, et au bout de 7 tours, j'ai commencé à perdre un peu, et puis il a commencé à perdre au fur et à mesure, seconde par seconde. C'est violent, la dégradation des softs. Ouais. Effectivement. Bah ouais, bravo. Merci. Bravo à Fred aussi, hein. Il est pas sur le podium, mais belle course. Ouais, Fred. Ah, il revient de loin. Hein. Ouais. Il a donné du fil à retordre, en tout cas. Ouais, ouais. Puis... plaisir de le voir se battre. Puis, ouais, je pense en chauffant tes pneus que t'es parti en tête à queue, Seb. Ouais, mais j'ai fait le débile, j'ai mis un coup de gaz au moment où j'étais en train de tourner, et puis. Ouais, j'ai fait l'idiot. Je me suis pris le mur. Sans moquerie, je vais rigoler. Ah ouais, tu peux. Là, y a quoi, tu peux. Hein. Je crois que tout le monde a rigolé, mais... Non, bah... Y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur, hein. Voilà. Exactement. Voilà. C'est même arrivé à Grosjean, mais c'est pas une... Non, c'est pas une référence, mais... Je pense que Ericsson nous a touchés. Allez, c'est arrivé à Verstappen. Rassure-toi. Oui, ouais, c'était au Hungaroring sous la pluie, non? Non, Imola. Oh, Imola avant le restart de la safety car. Ouais, mais il y avait aussi eu l'année passée, hein, je dis, où il y a 2 ans, je sais plus, Hungaroring sous la pluie. Il s'était foutu aussi dans le mur. Ah oui. Ah bah, c'était même pas un tour de formation, quoi. Non, c'était le tour d'avant, le tour de mise en place. Ouais, la mise en grille. Il y a plein, Russell. Ouais, donc bref. Ouais. Des choses qui arrivent. Donc Zandvoort, tu connais bien toi la prochaine, Valentin? Zandvoort, pas trop. Non. J'ai un peu roulé dessus, mais la nouvelle version, pas tant que ça, on va dire. On va bien voir, hein, de toute façon. La seule fois que j'ai roulé dessus, c'était sur F1 2021, et c'était il y a très longtemps. Donc, pas du tout la même voiture, pas du tout la même physique. Donc on va bien voir. Mais ça, c'est pas un circuit qui est vachement dur, en fait, Zandvoort. Non, ouais. Il va bien, c'est... C'est juste compliqué à dépasser. Hein. Ouais. Encore Spa, tu vois, il fallait un setup qui est assez bas en aérodynamisme. Mais quand on prend... Zandvoort, c'est assez haut en appui, quoi qu'il arrive. Donc oui, tout le monde s'en sortira bien, quoi. Voilà. Eh ben on a hâte d'y être, franchement. Moi c'est un circuit que j'adore, franchement. Yep. Donc hâte de voir ça. Eh ben oui. Hâte d'y être. Eh ben je vais vous féliciter de nouveau et puis remercier les gens qui sont passés là ce soir. Arrobas qui a fait le coucou pour nous expliquer pourquoi il partait, il n'était pas là sur le serveur en qualif. Aldo, merci à toi, 100% motobike qui est passé, Clélia, Eidrix, Daniel qui était là, Daniel qui était... Ah, Daniel, il a été éjecté du serveur et il n'a pas pu revenir. Julien. Ouais. Merci Jay. À tous, en tout cas. Merci encore à vous. Pour ce super ouais, merci à toi. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine, il n'y a pas de latence cette semaine. Il n'y a pas de week-end de repos. On a eu un mois de repos, là on est reparti pour 3 semaines intensives là. Sur les chapeaux de roue. Ça va être trop dur. Ouais, ça va être Zandvoort, Monza et Sochi. Non, pas Sochi, c'est quoi? Je ne l'ai pas sous les yeux, mais je vais te dire ça d'ici quelques secondes, on est donc à Zandvoort, et puis Monza. Ouais, Monza. Okay. Très intéressant aussi. Ouais, on va voir ce que la voiture a dans le ventre. Là, on va expliquer des vitesses de pointe un peu plus importantes. Ouais. Bon, tu me diras un peu comme à Bakou, mais là, on a tous un peu plus la voiture aussi, Romain, je pense que c'est une bonne chose. Hein, ça se voit. Sur tous les pilotes, tu vois qu'il a germé hein, qu'au début. Même sur les pilotes du bas du tableau,
tu vois qu'il y a moins d'erreurs, il y a moins de. Ouais, ça roule très régulier, c'est plutôt pas mal. C'est bien de voir tout le monde progresser, quoi. Exactement. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent. Merci encore à vous. La merci, fidélité. Merci, merci. Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. C'est ça. Ciao, ouais. Aldo, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut tout le monde, à bientôt pour le Zandvoort la semaine prochaine, vendredi. Et puis dimanche, ne loupez pas la course. Hein. Voilà. À tout bientôt. Bah voilà. Ciao, ciao. Oh, ça m'a foutu les boules. Hein.